saluer et de féliciter Blaye et Kumba pour la réussite déjà de ce 19e forum sur de Bamako et surtout de la pertinence du sujet traité aujourd'hui, qui est un sujet d'actualité, certes, mais aussi un sujet qui devrait en tout cas focaliser moins de passion, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de peurs qui sont attisées et qui permettent aujourd'hui d'avoir une lecture dans l'urgence qui n'est pas adaptée. Je voudrais aussi présenter mon organisation qui est la plateforme de la diaspora basée en Europe, qui représente des organisations de la diaspora qui sont dans les 28 pays de l'Union européenne, travaillant avec les 55 pays de l'Union africaine sur des projets porteurs, mais aussi sur le dialogue avec les politiques de leur pays. Donc ADEPT est aussi une structure qui est dans le renforcement, bien sûr, de leurs connaissances, de leurs capacités, et surtout une autre façon d'agir comme partenaire, parce qu'il faut que ces diasporas aussi soient des partenaires et des acteurs du développement. Il est vrai aussi que la question migratoire, c'est vrai que je suis d'accord en partie avec la terminologie, comme le disent les jeunes qu'on appelait, parce qu'on a créé le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations en France. Je vois d'ailleurs quelques acteurs phares dans la salle, Radembele et M. Maman Touré, qui sont là. Nous avons automatiquement pensé à l'intergénérationnel et la relève, qui étaient les jeunes. Nous avons en même temps permis à un groupe de jeunes d'être aussi, d'essayer de leur donner leur autonomie. Ce qu'ils n'ont pas voulu, en créant à part une autre structure appelée, que nous leur avons conseillé d'appeler le Forum des organisations des jeunes issus de l'immigration. Mais des jeunes ont refusé ce terme violemment, en disant que jusqu'à quelle période on cesserait de lier leur existence, leur identité à l'immigration. Et ils se sont rebaptisés les jeunes, Forum des organisations des jeunes aux identités multiples. Parce que simplement, c'est cette richesse que ces jeunes ont plus perçue que cette exclusivité qui était une identité simplement parce que leurs parents avaient migré dans une certaine période et ils sont là du fait de cette mobilité. On lie la migration à la crise, c'est ça. On parle de crise d'ailleurs, surtout la presse contribue beaucoup à perpétuer cette impression, ce mal-être qui est voilà, la crise migratoire, la jungle de Calais, ça c'était le pire. Et là, ce qu'il faut simplement redimensionner et dire qu'il n'y a pas de crise migratoire. Mais il y a une crise de l'accueil, on l'a dit ce matin, je crois. Il y a une crise des politiques migratoires, il y a une crise de la solidarité, il y a une crise d'humanisme. Et c'est surtout ça qu'il faut.